été pute, hein. La personne. On parle de Resident Evil 7 avec les rumeurs comme quoi Alice viendrait. Mais j'imagine alors LJ revenir. Venir dans les jeux, mais oui. Normalement tu branches toi. C'est branché ici depuis très 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 longtemps. Je m'en rappelle plus. Très très longtemps. Et débarque, ça fait 3 mois que c'est branché ici. Hey, Stevie débarque. T'as pas capté, je venais du futur. Ton excuse marche encore moins. Faudrait que tu viennes du passé pour que ça marche. Parce que du futur, tu devrais le savoir encore plus, depuis encore plus longtemps. Mais putain, ouvre la porte. Bon, assis-toi. Bon, et moi je reprends ma voix. Oh, des chiottes, examine. Putain, il y a du son venant du trou. Hé les gars, vous faites des travaux là-dedans? Ah oui, ça perce. Comme Julien le perce. Tabacan. Bon, alors... Précédemment, nous avions mis la clé dans le coffre et on va la récupérer en reprenant un autre trou plus tard, près de la maison. Parce que sinon, on prend un chemin de l'éternité, hein. Et c'est chiant. Ça me rappelle Super Mario 64. L'escalier sans fin. Moi, ça me rappelle Super Marrant 64. Il était super marrant 64. Mais j'imagine si j'imagine vraiment si Henri s'était pas rendu compte. Et qui sait qu'il faisait le même chemin. C'est pendant 3 heures. Mec, je suis presque. Je peux y arriver. Bon, salut toi, ça va? Toujours en train de boire? Cul sec. Le mec, pendant 3 heures lui aussi. Mais en fait, faudrait lui expliquer qu'il a vidé la bouteille, c'est bon, il n'y a plus rien. Ça, c'est comme dans Garfield, le biscuit auto-régénérant. Il le mange, il se régénère, après tu peux le remanger, il se régénère. Ça pourrait faire pareil pour la boisson. La boisson auto-régénérant. Le Steve auto-régénérant. Non, parce que Et visiblement, pour Resident Evil 7, le Wesker auto-régénérant. Non, parce que le Steve auto-régénérant, je pense que tu te serais amusé à me découper la tête plusieurs fois pour qu'elle repousse. Ouais. Ah, le Wesker auto-régénérant, ce serait cool. Non. Ouais, c'est... Si on revient dans l'histoire principale, c'est ça, hein. Par contre, j'espère qu'il aura même le gueule. Parce que s'il allait dans un magasin de chirurgie esthétique pour ressembler à Jill... C'est vrai qu'il ressemble à mon perso dans Saints Row 2. Il a la forme de Matrix et tout ça. Non. Ah oui, il faut que je prenne la clé. Non, ce que je te dis, si Chris voit ton perso, je pense qu'il fait une crise cardiaque. Et je pense que c'est game over. Comment je change de truc? Connard. Revenir en arrière. Alors, attends. J'ai du mal avec ce putain de coffre. C'est plus simple dans Resident Evil. Je crois qu'il faut faire rond. Voilà. Non, c'était pas rond. Un rond pour revenir en arrière, c'est ce que j'ai fait juste avant. Affiche de la tentation, ouais, ouais. Ça m'a servi à rien. Mais en fait, t'as l'inventaire limité, on va dire. Ouais, je crois. Et en fait, là, il y a un objet que tu peux avoir, c'est... Ouais. Soit des... Par contre, ce qui est marrant, c'est que les pièges, je les garde encore. Peut-être qu'il faudra que je les réutilise plus tard. Mais en tout cas, la pierre, je sais pas à quoi elle me sert parce que je l'ai utilisée nulle part. C'est peut-être quand tu récupères l'achat, tu feras à chercher. On pourra regarder ça après. Ouais. Pendant qu'on met ce. Ouais. Il parle du film, le premier. Zombie. Ils étaient marrants quand même, les ennemis dans Terran Memory. Si t'avais vu. Bon, mec. T'es belge? Alors, tu dois être alsacien. Bon, ben j'y vais. On va le laisser boire un peu, hein. Ginette, je suis rentré. Oh putain, Rototo. Putain, il fait quoi, lui? Rappele.
Eh oh, tu passes pas. Ok. Un message gribouillé. Tu as trouvé Alissa et Walter? Ça se précise. Alissa? Envoie-moi ton rapport. Alissa? On sait qui c'est, hein. Je me rappelle. Ça se décolle de partout, la plupart des pages sont lisibles. Il y a une page lisible. Un deuxième signe. C'est un oiseau. Et Dieu a dit, comme le sang des 10 pêcheurs dans le lac et l'huile blanche en offrande, tu seras libéré d'un carréant et ton enveloppe terrestre et jouiras du pouvoir des cieux. Ça fait quoi, c'est dans Resident Evil 7 Wesker et Jake Muller se rencontrent? Parce que techniquement, Jake Muller... Wesker Jake. De la nuit au néant, fais rejaillir les ténèbres. Je rigole, Wesker devient un gentil. Oui. Et ça, toi, du désespoir au nom de Wesker. Le deuxième signe, et Dieu a dit, parce qu'il est souvent Dieu, il papote, mais tout le temps, la tentation du péché, c'est sous l'œil vigilant du démon qui erre seul dans le chaos et qui nous entoure, que l'alignement des quatre Jack Muller en dépend. Il y en a quatre. Et l'extrait des Écritures Saintes. Ok. Il est en train de se laver ou il est en train de cramer dans la... Dessin d'un gamin. Oh, toi, là, actuellement, je m'en fous. Oh, la verrou est cassée. Il se passe quoi, il est en train de se faire cramer les couilles dans la douche ou quoi? Eh, qu'est-ce que tu fous? Non, non, ça, je m'en fous. Mais qu'est-ce que tu branles dans cette salle? On peut pas te laisser seul 2 minutes! Vous savez, il se masturbe trop alors ses couilles en train de cramer. Mec! Tu es en train de faire quelque chose? Il y a une plaque sur la porte. Ah, encore une plaque? En fait, je récupère une plaque à chaque fois qu'il y a un de mes potes. Parce qu'à chaque monde, on rencontrera quelqu'un. Mais j'ai l'impression que c'est à chaque fois qu'il décède. Provenant du monde de la forêt, on est d'un bébé du mot source. Et ils ont chacun un objet avec eux. Qui symbolise aussi leur mort. Hein? Par hasard, faut pas que tu utilises la plaque rouge que t'as dans ton coffre. Non, attends. Mais en tout cas, comme j'ai dit, ils auront chacun un objet. Mmh. Et lui, ce sera la boisson. Et Cynthia, je sais plus ce que c'était. La boisson que je lui ai donnée, oui. Ça symbolise sa mort. Putain, pas quoi. Ça pue. Hé hey, qui a fermé la porte? Mais t'as rencontré qui? Bon, le mec, il s'est cramé la peau pour écrire les chiffres, d'accord. Mais ils étaient déjà écrits. Ah, d'accord. T'as vu, hein, quand il a fait ça? Par contre, c'est pas lui qui s'est mis en feu, il a rencontré quelqu'un. Visiblement la même personne qui a tué Cynthia l'autre fois. C'est la petite fille de Fear. C'est le môme qu'on a vu avant. C'est en fait un serial killer. C'est le petit frère de la petite fille. Oh, regarde, la forêt près de ça. Oh putain, ils vont trouver mes empreintes, j'ai laissé partout. Encore une fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le personne là, qui est morte, elle est morte comment? Je sais pas, poignardée et tout. On l'a retrouvée en sang, elle nous avait appelé pour qu'on vienne la voir via un message radio, puis ça s'était coupé net. Là, Cynthia, tu verras. En tout cas, lui, il a été brûlé, et t'as vu? Il est rentré dans la salle pendant que moi je lisais le truc, et il s'est fait tuer tranquille. Et l'autre mec, sûrement le môme, je parie sur le môme, le tueur, a réussi à se casser sans que je le voie. Hein? Tout ça pendant que j'étais en train de dire. Ah, la prochaine fois je serai, s'il y a quelqu'un avec moi, je lis pas, sinon il va se faire buter. Bon, qui c'est que j'appelle? Bon, fuck, j'ai pas envie. Le chiffre qu'il y avait sur son torse. Ah, ça c'est toujours mon lit. Le monde forestier était-il quelque part sur cette photo de Silent Hill? Bonne question. Mais moi, je commence à les appeler les mondes. Certaines coupures viennent d'articles de magazines, mais j'ai oublié pourquoi je les ai découpées. C'est ballot, hein. Oh, en ce moment, garder des infos pourrait s'avérer très utile. Ça, c'est mon siège. Ça, c'est un tableau.
On dit qu'un truc pas clair s'est passé au parc d'attractions près du phare, il y a quelques années, mais personne ne sait la vérité. Il y a quelques années, ça y en-t-il 3 ? Mmh. Oui, ça peut pas être le 1, parce que le 1 se déroule genre 10 ans auparavant, hein. Ah, je me doutais que c'était ça y en-t-il 3. Ouais, parce que le 1 aussi se déroulait au parc, hein, mais... J'adore les petites références comme ça. Apparemment, les jours ensoleillés sont rares à Saint-Util. J'ai eu de la chance de faire du tourisme ce jour-là, c'est tout. C'est sûr, il y a du brouillard, généralement. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Ok, il y a un mec qui s'éclate. Ça, c'est mes voisins. T'avais pas regardé la dernière fois? Si. Non, mais la fenêtre, je veux dire, quand tu entres tes autres trous, je veux dire. Ouais, mais je l'avais déjà fait, c'est pour ça que je fais. Donc là, on peut voir les autres voisins faire des trucs. Et celui qui habite juste en face, c'est Richard. Accessoirement. Tu remarques que l'appartement est en forme de U. Et là, il y a l'hôtel Soudachil. Et là, on voit toujours la montgolfière. Ah. Bon, c'est toujours bloqué, celle-là? Oh, j'arrive pas à ouvrir. Ça pète la vitre. Mais Henri, je pense pas le faire. Comme je pense pas essayer de péter quelque chose avec mon gun. Hein? Encore quelqu'un qui sonne? Putain, ils vont me faire chier à chaque fois. C'est qui cette fois-ci? Ah, c'est le proprio. C'est Hitman. Frank Sullivan. Are you in there, Henry? Oui! Help me! Aide-moi! Cette chambre n'est pas normale! Elle a essayé de me manger l'autre jour! Help. Ah mais laisse-moi sortir, connard, c'est toi qui as tout verrouillé, c'est is ça? Anybody home? Oh putain, il est sourd. Et ouvre! What's going on? C'est quoi ce bordel? Pourquoi je prends un accent? Putain, mais dépêche! Oh putain, sale vieux! Mais allez, ouvre! Tu sais plus ouvrir une porte, papy? Visiblement, non. Papy! Ouvre! Bah, défonce la porte! Oui, bah, c'est moi là! Je gueule depuis tout à l'heure. Ouais. It's the same one as back then. Qu'est-ce que tu racontes, le vieux? T'as quelque chose à cacher? Prochain personnage dans Silent Hill 6. On a 15 ans. Bon, bah visiblement, le vieux nous cache quelque chose. Bon, on va voir le biatch. Alors, mes chaussons, ils sont toujours là? Enfin, mes chaussures. Mes chaussures. Mais en fait, où et quand ai-je acheté ces chaussures? Bon, oui, on va juste voir l'autre biatch. Mais d'abord, je regarde un peu mes ustensiles pour voir s'il y a quelque chose de nouveau. C'est pas le moment de jouer les bocuses. Et en plus, il n'y a rien à faire cuire ici. Ah, rien à cuire et donc pas de vaisselle. Oh là là, qu'est-ce que je suis logique, putain. Bonjour. J'ai eu cet âge autrefois. Ce n'est pas un souvenir très sentimental pour moi. En même temps, si j'avais jamais eu cet âge, ce serait bizarre. Ce n'est qu'un magazine de bagnole. Une télécommande, des trucs comme ça. Ah, la télécommande n'a aucun effet. Ah, bien. C'est ah, Sunderland, le directeur, qui... Ouais, on m'a dit que son fils et sa belle-fille ont disparu à Silent Hill il y a quelques années. Donc oui, maintenant vous savez, Frank Sunderland, c'est le père de James Sunderland du deuxième opus. La biatch. Hein? La biatch. Et quand c'est ce qui est arrivé dans le 2, qu'en fait il avait buté sa femme, et qu'après il s'est suicidé à Silent Hill, hein? Tu t'en rappelles? C'est tout à Schwill Heights, là où on est en gros. Je me demande à quand remonte la construction. Le bâtiment doit être assez vieux. Donc voilà. Alors t'en penses quoi, toi? Ah, oh, je m'en doutais, panne d'électricité.
Toujours sauvegardé. Sauvegardé aussi. Bon. Donc t'aimes bien toutes ces références? Ouais. Ouais, la bête maintenant. Oui, oui, je sais que t'attends que ça depuis tout à l'heure. Allez, regarde le trou. Non, mais pas le message à côté. Voilà. Le trou. Le trou. Bizarre, il n'y a plus de son quand je regarde le trou. Eline, papa t'observe. Sophie. Non. Mais je veux devenir ton papa. C'est bizarre, mais elle bouge jamais en fait. Pendant que tu regardes. Hein? Mmh. Mais c'est normal. Elle est en train de devenir un zombie. Non, en fait, j'en sais rien. Elle est peut-être gogol comme Ashley. Bon. C'est comme Slender. Elle bouge que quand on la regarde pas. Bon. Arrête de bailler, espèce de gros. Bon. Oh, la forme du trou a encore changé. Et je crois entendre des voix d'enfants. Putain, c'est que maintenant que je réagis. Oh, Steve vient de faire un changement de jambe. C'était magnifique. Oh, je m'en pète de rire. Maintenant, double changement de jambe. Voilà. Il est con. Bon. Alors. Ah, le monde que j'ai pas réussi à passer. Ah bon? Oui. Non, c'était bloqué. Oui. Parce que c'est un vrai labyrinthe, cette prison. Mais ne vous en faites pas, je m'en sortirai pour la suite. Enfin, j'espère. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, j'ai encore trop picolé la veille. Mets ta gueule là-bas dans ma tête. Joue-moi une chanson rock and roll. Attends. Écoute. Il y a quelqu'un qui veut que je le sorte d'ici. Je fais quoi, je le tue? Non. Tu le laisses sortir d'ici. Ok. Attends, c'est pas violé. Il peut pas fermer sa gueule. Bon. Ouais. Putain, il y a pas beaucoup de portes verrouillées dans celui-là. C'est qui est en train de marcher là? C'est quoi cette espèce de tête? Ça c'est des tentacules, je sais plus leur nom. Il y aura deux types de temps, enfin de plantes plutôt, dans ce niveau. Il y aura celle-là et une autre. Ils ont un visage ou quoi? Ah non, c'est en forme de boule. Il y aura celle en forme de boule et celle en forme de liane, tu sais, simple. Ah, parce que j'ai l'impression que c'est une tête accrochée là. Mais faut faire gaffe parce qu'elles peuvent t'empoisonner si tu les touches. Hein? Bon, je travaille ça. Ah. Alors je te dis, généralement, elles reviennent à chaque fois que tu vas dans la salle. Mais quand même, si tu veux éviter de t'empoisonner, on les tape! C'est de même pour leur cousine, hein. Par contre, c'était qui passait avant? J'ai entendu des bruits de pas. Steve, arrête de bailler, je t'ai dit! Et on aura aussi... Il m'a donné envie de bailler, l'autre connard, là. On aura aussi des sons en su, dans celui-là. Enfin, des espèces, non, plutôt d'insectes et tout. Tu verras plus tard. What? Une corde à piano? Enfin, une corde... Une corde à piano, oui, oui, oui. Hein? Encore des bruits de pas? Il y a quelque chose écrit, ras-le-bol de la surveillance. Bon, c'est qui marche dans ce couloir à chaque fois que je suis dans une cellule? Le gardien? Les verrous cassés. Ah bah j'étais en train de me dire, on est dans un salon-t-il ou pas? Oh non, il va le tuer. Ah, c'est cela. Il y en aura deux types dans le jeu. Mais ils sont pas visibles dans les mêmes endroits. Hein? Et normalement ils sont inoffensifs, donc on va les laisser, hein. Et tu les attaques? Bah on peut pas. Ils sont inoffensifs, donc. Bon, c'est qui marche là? Ah, il est là. Bonjour. C'est verrouillé. Il y a un petit truc par terre. Hein. Oui, on va voir. Bon, bah, je vous laisserai pas sortir. Au revoir.
Ah, il y a une note mal écrite par terre. C'est encore Steve. Quel bol! J'ai enfin trouvé à sortir de ma cellule! Je vais jeter un bon coup d'œil autour du bâtiment. Et ce sol du premier fou, vraiment la trousse! Il y a une cuisine au nord-est. Mais à côté du nord-est, il y a une salle de torture. Pour y rentrer, il faut le bon code. Je l'ai pas, il faisait trop noir pour voir le clavier, j'ai pas pu rentrer. En fait, il y a une autre porte à côté de l'autre fou, là, on va dire. Mémo d'expansion. Oui, oui, bah j'irai après. Le héros est cassé. Je veux juste tout fouiller, là. Tu comprends? Des gourdins d'incendie. Ouais. Ah, des balles de pistolet. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a quelqu'un qui a joué? Des graffitis, encore l'écriture d'un môme. On me surveille de la chambre du milieu. C'est l'écriture d'un môme. Encore l'autre gamin, il va encore buter des gens. Hein? Le verrou est cassé. Bon, bah maintenant, mec, je peux t'abandonner pour de vrai. Bonjour. Ouais, je lui parle pas. Ah, oh, bah tiens, voilà le trou. Mon ami le trou. Ah, il y a une porte à gauche. Oui, mais on va prendre le trou pour arrêter la vidéo. Il y a une note mal écrite, encore une fois. Pour arriver aux salles de surveillance du milieu, il faut passer par les trappes d'évacuation des cadavres des cellules. Celles des cellules du premier et du deuxième sont verrouillées. C'était pour empêcher les gosses de les trouver. Il faut aller au premier à partir, une cellule. Hein, je sais que c'est. Fait faire une vraie galère et les projecteurs ne fonctionnent qu'au troisième. Donc il parle des gosses. Parce qu'en fait, cette prison se trouve pas loin. De l'orphelinat. Oui. Et les gamins y allaient quand ils étaient pas sages. Ah, Steve a juste! Il y était en fait. Un peu policier moi-même. Tape là, mon pote! Ouais! Même pas toi, t'as fait un pote. Tape là, mon belette! Eh, hey, tape! Tape là, ma blette! Ouais, tape ma boulette, ouais. On entend! On a encore cette putain de radio là? Arrête, t'as là! Mais ah. Non! Allez, explore les petits endroits et le ton et le trou. Mais non. Mais si, en fait. Ouais. Hélène. Hélène. Putain, c'est... En fait, c'est une enfant à l'intérieur. Hein. Ça, c'est un peu d'un coup, tu vois. Je crois qu'elle va bien. Oh, oui. Oh, tiens, il y a eu un nouveau truc ici. Ouais, parce que j'ai déjà eu deux bouts de papier comme ça, en dessous de ma porte. J'ai de plus en plus l'impression d'être en danger de mort. Je n'ai pas eu de vie facile, mais je n'avais jamais ressenti cette peur viscérale. Au cas où il m'arriverait quelque chose, j'ai décidé d'écrire ce que j'ai appris. Ça pourrait peut-être servir au futur locataire. Oh, j'ai l'impression que c'est le précédent qui a écrit. L'enquête sur les meurtres commis il y a 7 ans et qui ont tué 10 personnes en 10 jours, elles sont mortes de plusieurs façons, mais elles avaient une chose en commun. Les numéros suivants étaient gravés sur un corps dans l'ordre du terrain et pas. 01, 02 avec le 121 à chaque fois derrière. Oh, bah maintenant on comprend mieux. Hein? Bon, donc là... Si on suit, il en est à 17 victimes. Hein? Le nom de l'assassin était gravé lui aussi. Il s'agissait de Walter Sullivan, un mec mentionné dans Silent Hill 2 qui serait suicidé à la cuillère. Après avoir tué les deux dernières personnes, deux gamins. T'as comme il s'est tiré avec une cuillère, quoi. Il l'a avalé. Non, il a fait... D'accord. Je sais pas si c'était... C'est technique de suicide, hein. Je sais pas si c'était aussi tranchant, la cuillère. Il y en a beaucoup qui se suicident comme ça, en prison. Le 4 avril. Bon. Oh, c'est un journal rouge. Oui, tout. Ah oui. Bon, on peut pas partir, comme l'avait dit Walter. Encore toi. Je crois que je suis con à attendre. Il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau, le lavabo. Tu sais, je te vois dans les tons. Et moi aussi. Un pour moi. Tu le fais mal.
Bonjour. Oh ben, visiblement, ce con, il va pas lâcher prise. Bon bah, ben, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se voit prochainement pour du Halo avec Steve. Yeah. J'adore le petit bruit à chaque fois. Donc là, on est de retour du monde... Sauvegarde en cours. Non. Du monde de la prison lacustre. Ah, je crois que c'était lacustre. Lacustre.